1972 au Burundi. Ce sont les événements qui ont débuté le 29 avril 1972 et qui ont duré presque un an jusqu'en juillet 1973. Un an. Même un peu plus. De quoi s'agit-il? Intambara, guerre. Ikiza, drame épouvantable. Ihonyangoko, génocide. Amavi arengera zinamuntu, crime contre l'humanité. Amavi intambara, crime de guerre. Il y a donc dans le mouvement rebelle deux objectifs. Objectif majeur, c'est l'extermination des tous. Extermination. C'est pas tuer, exterminer. Ça veut dire enfant, fœtus, tout. Exterminer. C'est ça. Je vais là. Deux, vous réunissez les hommes. Ils sont là. Il est question de 25 000 hommes qui vont attaquer le 29 dans la partie sud du Burundi, donc depuis la capitale jusqu'à la frontière avec la Tanzanie. Les armes. Vous devez réunir les armes. Un militaire doit réunir les armes, l'armement. Mais dans le cas présent, ce n'est pas difficile. Vous avez une machette. Toujours, le paysan burundais, l'homme rural burundais, il a toujours sa machette, Umuhoro. C'est écrit ici. Ce n'est pas pour rien. Umuhoro, Umupanga, Umuhiri. Mais tout ceci, c'est les instruments les plus ordinaires. Mais quand on les utilise contre le voisin, c'est d'une efficacité qui n'a pas d'égal. Même la bombe atomique ne peut pas tuer en entrant aussi le corps les hommes qui sont morts à son acte, à la machette. Et cet instrument va continuer à servir même plus tard. Mais au Rwanda, c'est ça qui a été grave. C'est la machette qui a fait le million de morts, plus que les armes à feu. Voilà donc, ça se prépare, l'idéologie, les hommes. La cible est désignée voisin contre voisin. Donc, on va impliquer toute la population autour. Où qu'elle soit, sur les collines, dans les écoles, dans les camps militaires, qui ont l'état-major du mouvement, qui sont membres de l'état-major,
Les uns sont dans l'armée, d'autres dans le gouvernement. Nous citons deux qui sont au gouvernement de l'époque, qui vient d'être révoqué à midi, du 29 à 13h. Eh bien, il y a Martin Deyarose, il est dans l'armée, il est ministre, et il y a Bola Sekou. Il y a Ndaïzi Gapio, qui est ministre des Travaux publics. Côté civil, côté extra-gouvernement et structure de l'État, il y a Biorero. Il y a Seheye. Voilà l'état-major. Donc c'est compris. Les hommes, les moyens, la cible, on y va. Comment ça va être mis en application? Deuxième élément, quand vous avez un objectif, quand vous avez la stratégie, vous devez maintenant, ils ont mis maintenant en application à partir du 29. Comment ils ont appliqué ça? Comment ils ont appliqué ça? D'une façon systématique. Machette, voisin contre voisin. Eh bien, ça a été redoutable comme destruction. Redoutable. Sur toute la plaine du lac Tanganyika, vers la frontière tanzanienne, ça a été littéralement une chose épouvantable. À Mulago, il y avait la mission de Mulago était tenue par les pères sabériens. 3000 Tutsi ont fui vers la mission. 3000. Nul n'est sorti de Mulago. En tout ceci va faire 15 000 victimes Tutsi. Voilà comment ils ont appliqué systématiquement tout le monde, proximité, et il y avait tout un arsenal absolument incroyable de cadres, partout, dans les écoles, dans les universités, dans les écoles secondaires, dans tous les métiers, infiltration totale. Voilà, l'offensive, elle est là. Maintenant, la contre-offensive. Troisième chapitre. La contre-offensive. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Mais attention. Attention à ceci. Le gouvernement, le 29, il a réagi vigoureusement, mais pas contre. Ceci est un élément important que vous devez connaître. Le 29, le gouvernement n'a pas d'abord réagi contre les assaillants. Le gouvernement a ramassé plusieurs personnes qui étaient soupçonnées de soutenir une haine. Beaucoup dans l'armée, en dehors des civils, et certains y ont passé. Donc nous sommes le 29, jusqu'à mardi, le 2, le gouvernement ne s'aperçoit pas encore qu'il y a quelque chose derrière. On voulait mettre un écran pour que le gouvernement ne voit pas ce qui se passe. Eh bien, les Tutsi étaient en train de se massacrer entre eux. Soi-disant parce qu'il y a des soutiens au Rwanda. Dans la forêt, il a été liquidé, habité. Je suis dans la fosse commune, on n'a jamais retrouvé son lieu de cette lutte. Voilà donc le gouvernement qui réagit en premier temps contre les Tutsis,
soupçonnés d'être des appuis, des adhérents plutôt dans les scènes. Ce n'est que mardi, le 2, que le gouvernement s'est aperçu que ça n'était pas la vraie menace. La vraie menace était ailleurs. C'est à partir du 2 mai que le gouvernement a commencé à réagir militairement contre les assaillants. Militairement, contre les assaillants. Première phase de la réaction, de la contre-offensive, c'est d'abord contre les Tutsis, qui ne sont pas armés, qui ne sont pas. Et le 2, ils s'aperçoivent que ça n'est pas ça, et l'armée se réveille difficilement parce que certains chefs des unités n'étaient pas à leur poste, ils étaient en congé. Et celui était le principal parmi vraiment les hommes forts de l'armée du monde. Il est resté. Donc, voilà. Nous sommes donc mardi, donc du 2 mai jusque vers le 15 juillet, l'armée est face à face contre les rebelles armés, organisés au plan militaire. Donc c'est militaires loyaux contre rebelles armés. C'est la phase de confrontation armée, rebelles armés. Retenez ça. C'est pour cela que j'essaie de vous donner les éléments majeurs. Sans trop les habiller. Vous avez le texte habillé. Première phase, face à face, tous. Deuxième phase, armée, mouvement rebelle, armée. Jusqu'au 15. À partir du 15, les rebelles, les assaillants sont neutralisés. Deux mois pour neutraliser les assaillants. Sur tout le long, il y a pris des dégâts considérables. Eh bien, le 15 juillet, le président Michombero, constatant qu'il est seul, il était seul à bord. Il n'y avait pas de gouvernement depuis le 29, il avait révoqué, ça le remplaçait. Il a nettoyé le gouvernement, le 29, à midi, et jusqu'au 15 juillet, pas de gouvernement, il est seul à la barre. Et Ndamémé, chef d'état-major général, et d'autres. Le 15 juillet, qu'est-ce qu'il fait? 15 juillet, sur l'insistance des machines gagnantes. Vous savez, comme le président Michombero avait un conseil des sages, Harimoru Gambarara, il y avait Ndakoze, qui vient de décéder, André Ndakoze, et d'autres. Je pense que les deux auraient approché M. Chambre pour lui dire, écoutez, mettez quelqu'un qui vous aide à relever cette situation. Vous êtes seul là-bas, c'est dangereux. Il nomme un homme que vous connaissez, Albé Nyamoy. Le 15 juillet, Albé Nyamoy. Albé Nyamoya, c'est un ancien premier ministre du Mwami Mwambutsa, 64 jusque janvier 65. J'étais à l'époque son directeur général. Nous le surnommions tout à fait affectueusement Léopold de Ville. Parce qu'un jour, il a dit au gouvernement fantoche de Kinshasa, il a dit, ce gouvernement de Léopold de Ville, je vais l'anéantir. Alors, il le nomme. Pourquoi? Pour essayer de calmer le jeu, côté Tutsi, calmer le jeu, côté Hutu. Essayer de faire baisser le nombre de victimes de la répression qui s'est étendue à travers tout le pays, à travers les écoles, à travers les camps militaires,
il faut essayer de calmer, mettre un peu tôt et faire revenir la paix. Nyamoya va remplir sa mission jusqu'au 15, jusqu'à approximativement jusqu'au 5 juin 1973, un peu plus d'un an. Et la situation est redevenue normale. Il a contribué à ça. Entre-temps, combien de victimes, combien de morts côté Hutu? Côté Hutu, il y a eu deux gros chiffres. Il y a un gros chiffre, 300 000. Et 300 000, on ajoute de l'élite Hutu. À 72, 300 000 de l'élite Hutu, ça, je dis, c'est pas possible. Il n'y a pas 300 000 de l'élite Hutu en 72, dont le nombre s'élève à 300 000. Non. Il n'y a pas, même si on y ajoute les Tutsi, l'élite du Burundi, Tutsi compris, ça ne peut pas atteindre 300 000. C'est énorme, 300 000 de l'élite. Nous sommes à 10 ans de l'indépendance du Burundi. 10 ans de l'indépendance du Burundi. Nous étions très très peu nombreux à avoir été à l'université, à avoir été au secondaire, et c'est exagéré carrément quand on parle de 300 000. Voilà la situation qui a été créée. Voilà le contexte. Voilà l'effet, à savoir l'offensive du mouvement rebelle, la contre-offensive. Nous allons maintenant, presque pour conclure, qu'est-ce que c'est qualifier l'action du mouvement rebelle contre la composante Tutsi. Qu'est-ce que c'est? C'était une action systématique, sans discrimination aucune, et sur une base unique ethnique. Une action, un acte commis contre une population entière ou une partie, systématiquement, du fait de la religion, de la race, on appelle cet acte un génocide. Côté Tutsi même, on dit, du côté Tutsi, il y a eu aussi un génocide. C'est un peu ce que me rappelle le livre de Jean-Pierre Chrétien, Au bord des génocides. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà le titre. Eh bien, étant donné que le pouvoir ne savait pas ce qui allait et s'est produit le 29, étant donné que l'armée n'avait aucune consigne, étant donné que le premier acte posé par le gouvernement n'était pas dirigé côté Hutu, surtout sur les Tutsis, eh bien, le gouvernement n'a jamais eu aucun enseignement, aucune forme de préparatif pour exterminer systématiquement l'élite Hutu. C'est de cela qu'on l'accuse, l'élite Hutu. On va vous dire, mais on se présente dans les écoles avec une liste. Oui! Si on entre ici, avec une liste, on prend celui-là, celui-là, celui-là. Il y a 10 Hutus ici, dans cette salle de classe. On prend 3, 4, 5 élèves ou étudiants Hutus sur base d'une liste. C'est sélectif, c'est vrai. Mais justement, parce que c'est sélectif, c'est... Ce n'est pas systématique. Comprenez ça. Quand c'est sélectif, il y a des Hutus qui sont restés dans la même classe. Quand les militaires entraient dans un
foyer pour prendre le père, les enfants et la mère étaient peut-être effrayés, mais pas inquiétés. Mais quand c'était de retour, c'était. Je vais terminer tout de suite. Mes amis, je me suis alors posé la question. À la fin de l'exposé, au début, j'ai posé la question. Tout ça, ces événements, c'est quoi? Je viens de répondre. Ces événements, c'était un acte de génocide. Contre qui? Contre les Juifs. Par qui? Par les Juifs. Le gouvernement n'a pas commis un deuxième génocide. Il a fait une répression sévère, violente, c'est vrai. Mais c'était un acte. Il y a des spécialistes maintenant qui sortent, qui disent que c'était un acte de légitime défense parce que le Burundi avait été attaqué. Alors, je termine par un vœu et je vous demande de le partager. Je souhaiterais que le 29 avril de chaque année, les Burundais se réunissent un jour solennel et disent tous qu'era j'avais mon diamant à Kabaki, j'en avais comme un jaïr. Comment il faisait? Va t'en de Kikoum. Va t'en de Kikoum. Arrive à vite, va t'as. N'a pas de rose. Razo soubira, kougira, razo soubira, poussez, malasso. Faisons la même chose sur Vénère. Chaque année. Nous jurons tous. Ngasubira gusesa amaraso y'umwana w'u Burundi arakambomye. Tiramahoro.